Salut tout le monde et bienvenue pour ce bond en arrière de près de 30 ans. Nous retournons en 88 sur le circuit de Spa-Francorchamps pour une manche de DTM. Alors jusque là rien d'exceptionnel si ce n'est que vous n'allez pas avoir deux mais bien trois voitures en piste. Et la troisième, il s'agit du mode qui vient d'être de nouveau mis à jour récemment mais qu'on a un petit peu oublié mais qui reste très bon. Il s'agit de la Ford Sierra RS 500 édition groupe A et DTM qui font suite à la mise à disposition pour Assetto Corsa de la voiture de base, hein, la Ford Sierra de route. Et bien, il faut avouer que ce mode est vraiment convaincant et je ne sais pas pourquoi je ne vous l'avais pas présenté plus tôt. Surtout que là, il est très complet avec près de 40 livrées qui reprennent les championnats 88 et 89 de DTM et les championnats de groupe A, donc le BTCC, etc. Même le WTCC pour certaines livrées. Et elle est géniale en fait. Elle est tout simplement vraiment correspondante à ce qu'on avait à l'époque en Touring Car, c'est-à-dire une voiture qui balance facilement au niveau du transfert des charges, une voiture qui est vraiment fun à piloter, qui survire, qui glisse en réaccélérant. Parfois un petit peu trop, vous allez le voir dans certains plans de cette course sur le circuit de Spa. La voiture est disponible dans la description ainsi que le circuit de Francorchamps pour ceux qui ne l'avaient pas encore, eh bien, alors qu'ils s'adaptent à la dernière version de l'Assetto Corsa. C'est toujours compliqué d'avoir des modes qui fonctionnent bien, alors que là on est allé un petit peu au contact avec une Mercedes qui fonctionne bien avec les différentes versions d'Assetto. Vraiment une voiture très bien modélisée. Alors au niveau du son, j'étais pas vraiment convaincu que ce soit très bon. Du moins très collant à la réalité, mais ça va, c'est tout à fait convaincant pour une groupe A turbo avec le bon gros sifflement évidemment. Cette voiture est donc disponible dans la saison. Regardez ce slide alors qu'on arrive à Blanchimont, c'est vraiment très fun à piloter et je pense que si vous avez des potes pour faire des sessions en multijoueur, c'est vraiment un modèle qui peut faire mouche avec un étalonnage de performance assez proche de ce qu'on a avec les autres voitures, donc la Mercedes et la BMW. On vous laisse profiter de cette manche qui, comme à l'époque, était bordélique, bagarreuse. Il y a eu des contacts, il y a eu de la poussette. C'était ça le Touring Car à l'époque. Et on reprend un petit peu d'histoire dans cette vidéo. Et je vous laisse monter le son et profiter de toutes les actions en piste.